Effectivement, et on va parler de la production de l'équipe dans son ensemble, collectivement déjà. C'est sûr qu'avec certains joueurs dotés d'un certain niveau technique et de compréhension de jeu et des situations, les choses deviennent un petit peu plus faciles. Quand on voit un petit peu la qualité technique d'un Amin Gouiri, quand on voit l'intelligence d'un Houssem Aouar avec les... savoir se projeter comme ça dans des courses et aller dans la surface de réparation au bon moment, le bon timing, ça c'est des choses qui ne s'apprend pas, ou bien qui s'apprend quand on est jeune en tous les cas. Donc ça donne beaucoup plus de variété à notre jeu comme tu as pu le dire. On rajoute à ça un Moura des grands jours, en tous les cas il est dans une forme étincelante, mashallah, depuis un certain temps. Ce n'est que la confirmation de ce qu'il produit déjà en club et ce qu'il a déjà produit aussi en équipe nationale. Il a des statistiques incroyables. Hein. Il est quasiment, à chaque fois qu'il joue, c'est soit il démarre, soit il rentre. Il est aussi important, il est toujours dans les productifs, marque des buts. En plus de ça, il apporte, comme tu as pu dire, cette capacité à prendre les espaces non négligeables. Aujourd'hui, dans le football moderne, la verticalité est essentielle. On ne peut pas seulement jouer... dans les pieds, même avec la qualité technique que l'on peut avoir et combinaison, tout ça. Mais à un moment donné aussi, quand on voit un bloc qui est haut, quand on voit la capacité à prendre ces espaces-là, et pas seulement quand le ballon le met dans les espaces ou en profondeur, même dans les pieds, il est capable d'aller percuter, d'aller faire mal. On a un peu discuté là-dessus encore hier, où je vous disais faut profiter de cet énorme cadeau que tu as fait Allah, à savoir ta capacité. Non. Vous êtes parti les chercher. Non. Bah, il faut rendre à César ce qu'il y a. J'ai fait, on a fait, parce que je ne suis pas tout seul, on a fait notre travail tous ensemble pour l'intérêt du pays. Vous parlez des nouveaux joueurs, par exemple.